Vous faites de l'art à partir d'ordures? Ouais. Quoi d'autre? Je suis éboueur. Ma vie, tous les jours, c'est ce que les gens jettent. Mais moi, je trouve ça tellement beau. J'avoue, j'ai commencé à avoir une espèce de connexion avec les objets, avec les compositions qui s'improvisent parfois devant mes yeux, quoi. Je veux dire, tous les jours. Et cette beauté-là, moi, je veux la remettre à la face du monde. Et je m'arrêterai pas. Je les organise, je les classe, je les prépare. Le soir venu, je les installe. Au gré de mes découvertes, des lieux, d'une impression, une connexion avec le lieu, l'ordure. Des fois, je sors, j'installe rien. Là, je suis plutôt sur une série de sécrétions humaines. Donc, faux sang, faux vomi, faux excréments. Il y a du sperme aussi. Sale, joli partout. Quand les gens tombent sur mes ordures, je veux qu'ils voient une histoire qui les marque profondément. Tu vois, je veux qu'ils bug, qu'ils se disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Bon là, c'est simple. Une meuf se balade avec son téléphone. Un mec arrive avec un couteau. La meuf laisse tomber son téléphone et se chie dessus. Le mec hallucine complètement, lâche son couteau et claque une énorme gerbe sur 10 mètres. La meuf, pleine de merde, enlève le fut et s'en va. Je veux éclabousser les villes avec ces histoires, jusqu'à ce que les gens réagissent, jusqu'à ce que les gens pleurent. J'espère qu'ils vont apprendre à voir, à écouter, à sentir, à toucher. J'espère que les gens vont retrouver le goût du toucher. C'est l'art du réel. Les objets survivent. Nous, non. Les ordures envahissent le monde et surtout qu'elles n'oublient pas de cracher, de mordre et de brûler tout ce qui bouge. Qu'elles fassent de nous les maîtres de cet autre royaume. Ce royaume qui schlingue, qui est sale, qui est gluant. Mais dans lequel nous sommes de grands rois. Des rois sans couronne, fiers d'être des bêtes puantes.